bordel. Allez, 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 allez. Merdier! Oh ce merdier! Au secours! Mais pourquoi j'ai pas pu le choper? Oh putain le bordel! J'ai pas eu de dégâts, enfin j'espère que j'ai pas. Oh le merdier! Bon ça va, y a pas vraiment eu de dégâts. Mais bordel, la quantité de gaz c'est abusé! Aïe 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 aïe! Ah d'accord, ok, je peux pas. Ah là 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 là. Bon. Normalement, si je claim les chunks, ils peuvent pas faire de dégâts. Par contre, on va faire autre chose. On va faire un petit peu autrement. On va plutôt en faire spawner un. Non, ah oui, oui, oui. Ok, oui, bien sûr. Il faut que je remette donc le ghast. Et voilà. Ok, il est capturé au moins. Bon, et on va se mettre ailleurs pour aller le capturer parce que. Donc là, normalement, voilà, j'ai deux ghasts. Bon, la quantité d'XP qui apparaît est toujours abusée, mais ça, c'est pas grave. Hop, et on va remettre le ghast ici. Bon, on va aller pour ça. Où est-ce qu'on va aller pour essayer de le capturer? Il faudrait qu'on soit dans une zone... je sais où on va aller. Je sais où on va aller. Est-ce que... Attendez, ce truc-là, là. J'ai vu que ça... Ah, faut... Ah non, ça y est, j'ai compris. Faut le blesser pour le capturer, je crois. C'est un truc comme ça. Ok. C'est pour ça que ça n'a pas marché. C'est parce qu'il faut le blesser pour le capturer. On va aller. On spawn. On va aller en sous-sol. Comme ça, au moins, il ne pourra pas se barrer. On pourra le manipuler un peu comme on veut. Alors, juste pour que ce soit plus agréable. Par contre, ce que je vais faire... C'est ça. C'est ce qu'il me disait que j'avais pas compris. Le ghast à plus de 5 coeurs, il faut le réduire de 2 coeurs. On va faire un petit effect. Night vision, 600 secondes. Ça fait 10 minutes. Voilà, c'est histoire qu'on y voit clair. C'est surtout aussi pour la vidéo. Hein, parce que voilà. Ok. Donc, de toute façon, voilà, hein, je suis full armé à tout. Hop. Je suis dégoûté. Champis full. Attendez, alors c'est pas grave. C'est pas grave parce que je vois... Bon, on va recommencer. C'est pas grave, hein. Faut juste que je... Quel poulet. Viens là, toi. C'est bon. On va aller chercher le poulet rapidement. Tant pis, je remettrai l'effet Night Vision plus tard. Et j'ai une jungle. C'est là qu'on va aller chercher le poulet. Alors, je sais plus où exactement j'en ai vu un, mais j'en ai vu des poulets se promener dans la jungle. Donc c'est une jungle où j'ai été pour récupérer du cacao parce que j'avais besoin de colorant marron pour faire l'altar d'expérience là. Enfin l'obélisque d'expérience. Alors du poulet. Ah, il y a quelque chose de blanc là, non? Eh hey, viens là. Yes. Yes, yes, yes. Alors j'ai vu qu'il y avait des perroquets. Ouais, je crois que c'est du vanilla les perroquets qui spawnent dans... Enfin, il y en a encore un là. Bon, si jamais il y a besoin. Donc, il me faut... Donc ça, on a... Acide, faudra le mettre en squid. Et après, on aura l'Angel Ring. Il me manquera juste le ghast. C'est le seul truc qui me manque. Et c'est parce que là, j'ai voulu le faire spawner. Et j'ai oublié qu'on était en pissoule. Hop. Donc c'est pas grave, on va recommencer la manip. Mais on va déjà faire l'anneau... Au moins l'anneau de squid. Avant de faire la dernière étape. Donc j'ai dit, on a besoin de l'anneau de poulet. D'accord, et on récupère le golden lasso quand c'est comme ça, super. Ensuite on a le squid. Ok, et pour finir, voilà, on a... Alors, faut que je remplace, ici c'est la batte. Et ici, il manquera juste le ghast. Donc on va recommencer. On va recommencer, c'est pas très grave. Aucun ghast. Ok, donc là, c'est bon. Ce ghast-là, je vais le remettre... Attendez, juste regarde un truc. Lui, il a 10 de vie. Lui, il a que 4 de vie, hein. Je crois que je peux le choper, hein. Est-ce qu'on le tente de le choper ici? De toute façon, j'ai claim les chunks. Normalement, il peut pas faire de dégâts.
C'est bon. Parce que tout à l'heure, ils se sont entretirés dessus. C'est pour ça qu'ils se sont... Allez, c'est bon. À moi l'Angel Ring. À moi l'Angel Ring. Voilà. Alors, après, il y a l'Angel Ring avec les ailes, là. Ouais, il me faut juste deux plumes en plus. Est-ce que ça change grand-chose? Alors, là, actuellement, bon, c'est normal, hein. Alors, est-ce que j'ai compris, ça se recharge, par contre? Non? Oui? Non? Peut-être? Alors, ok, peut-être pas. Non? Alors, à mon avis, il faut la recharger. Use GP. Il faut quoi pour la faire fonctionner? Oh, attendez. Oh. Elle est plus belle comme ça. Et je peux pas voler avec. Donc, qu'est-ce qui manque? Ah, comment... Qu'est-ce qui va pas? Normalement, l'Angel Ring, on l'a créé. On peut voler, c'est ça? Il me semble. Ou j'ai mal compris, enfin... D'accord, je peux même pas planer avec. Ça me protège même pas des dégâts. Ça m'emmerde. Ça m'emmerde. Qui fonctionne pas... attendez, je coupe, je me renseigne. Je vais me renseigner sur le wiki. Alors, j'ai pas tout compris. Je viens de lire la page donc de Feed the Beast donc sur les Angel Ring et sur donc les GP, parce qu'il faut des GP pour pouvoir. Bon bah pour le moment, hein, pour le moment, je vais juste ça s'est repassé en fly. Parce que vous êtes bien gentil, mais voilà. Déjà c'est pas normal parce que le mode morph devrait me laisser voler, mais. C'est pour ça que je vais faire l'Angel Ring pour à titre de. Pour être sûr, quoi. Mais pareil, donc résultat. On va quand même essayer, mais. Parce qu'ils disent GP et RF, c'est à peu près la même chose. Là, je peux pas voler. Malgré que j'ai un under sur moi. Enfin. Ça, je peux pas le mettre. Non. Ouais, je l'ai en main gauche, là. Ok. Donc, il faut faire des GP. Donc, j'ai vu plusieurs manières de le faire. Et le plus simple, enfin le plus simple, le plus god-tier, ah, il y a l'Eye of, ouais, c'est pas compliqué, ce serait de faire le Dragon Mill qui nécessite l'œuf de dragon. Donc, on va faire ça. On va faire ça et on va retuer un dragon, c'est pas un souci. Alors, il me faut. Ah, c'est pour ça, d'accord, ok. Donc il me faut un truc qui s'appelle le résonateur. Alors, il me faut un bloc de colle. Eh ben, ça tombe très bien, c'est là-bas. Hop, hop. Donc, pour faire le Dragon Mill, il me faut... Déjà, il me faut ça. Ensuite, donc, il me faut ces blocs-là, qui se font dans le résonateur. Le résonateur se fait comme ceci. Donc ça, c'est une machine qu'il faut poser. Je vais la poser. Alors, pour le moment, vu que j'abandonne un petit peu Pneumatic Craft, on va laisser ça comme ça. Hop. Et je vais mettre le résonateur ici. Grid is overload. Is overloaded. Quoi? Il faut autre chose pour faire ça, sérieusement? Ça se connecte pas. Bon. Donc non. Donc les GP, c'est encore différent. Ah, ça va encore me saouler. Je sens que ça me saoule. Je sens que c'est encore un... Ok, d'accord. Alors par contre ça va être chiant parce que pour le moment, de temps en temps, il me déconnecte. L'anneau me propulse au sol. Donc on... Voilà, hein. On va le poser pour le moment. Excusez-moi, j'ai pas vu que j'étais... Voilà, parce que j'ai dû perdre de FPS à cause des mobs. Ok, donc là c'est ok. Bon, admettons. Hop. Donc, on a dit que... Pour faire le Dragon Mill, il me faut donc les Stone Bunt. Et pour ça, c'est de la... Polished stone. Et pour ça, faut de la stone brick. Faut de la stone brick. Bon, c'est pas grave. De la stone, justement, j'en avais repréparé. Donc, il me faut 4 stone brick. Hein. Ok, et 4 stone brick, ça me donne de la polished stone. De extra utilities. Ok, super. Et ça, il m'en faut 4. J'avais largement assez, en fait. Hop. Et donc, ça, je le mets dans le Resonant Thunder. C'est ça, hein. Je vérifie, mais il me semble que c'est ça, hein. C'est la polished stone dans le machin et ok, c'est bon, d'accord, ok, donc mais là c'est le même problème, ok, d'accord, donc on va retirer deux, il faut que je fasse ça, fais-moi le stack, allez, hop, pas pour ce que ça coûte. Ok, donc faut que je masse clic. Ok. D'accord, ok. Bon.
Il m'en fallait combien? Il m'en fallait 4. Je les ai. Hop. Et mais en fait, le problème reste le même. C'est que l'Angel Ring, là, c'est bien gentil, mais comment je l'alimente? Oui, alors là, évidemment, je suis en fly. Non, je peux pas. Ah, bah attendez, je peux faire un simple clic droit et ça alimente en permanence, en fait. Mais bon. Non, je comprends pas. En fait, je devrais avoir une réserve de GP sur moi, la possibilité d'avoir une réserve de GP. Mais je comprends pas comment ça marche, en fait. Faudrait qu'apparemment, j'arrive à avoir de l'énergie sur moi, en fait. Mais avec la Power Suite, c'était possible dans le 1. Mais vu que j'ai pas la Power Suite, comment je fais? C'est chiant. Bon, après, il y a ça, il y a le Solar Panel, mais c'est pareil. Mais c'est pareil, c'est le même problème. C'est bien, ça va être posé au sol, mais faut que ce soit sur moi l'énergie. Enfin, ça me saoule. Ça me saoule, je comprends rien. Parce que là, c'est la production de GP, c'est notre énergie en fait. Mais le truc, c'est que j'ai pas de barre de réserve sur les l'Angel Ring ou quelque chose d'équivalent. Attendez, je revérifie le truc, hein, le. Non, mais comment. Alors là. Alors, j'ai deux principaux problèmes avec ce mode pack. Comparé à Direwolf 1, je veux dire. C'est que, premièrement, bon, bah, écoutez, hein, écoutez. On a fait l'Angel Ring, ok, j'ai fait des efforts. Hein, on va rester en fly. Question, est-ce que par contre, l'avoir sur moi, ça va poser problème ou pas? Que j'avais l'air d'avoir des soucis tout à l'heure. Que l'Angel Ring, elle me. Non. Bon, bah écoutez, hein, ça sera comme ça, et puis c'est tout. Hein. Je vous avouerai que. Je suis un petit peu coincé. Et lui, pourquoi il vide pas son blood, lui? Eh oh. Bon, je dois vraiment avoir un souci avec ça aussi, par contre. Bref. Bon, voilà. Bon, les Angel Ring, on aura vu ensemble. Ça marche pas. Ça marche pas, ça m'énerve, voilà. Donc je disais, donc le premier problème, c'est que je peux pas avoir d'énergie sur moi. Et le deuxième problème, c'est je peux pas transmettre d'énergie. Je n'ai pas le. Je n'ai pas, comme j'avais dans le 1, de Tesseract. Je ne sais pas qu'est-ce qui fait office de Tesseract dans ce nouveau mode pack. Et c'est très emmerdant. On va faire. Je vais juste refaire un create pour pouvoir organiser mon merdier. Bon, pour le moment, je vais tout mettre un petit peu en merdier là-dedans. Faut que je refasse le tri. Faut que je refasse le tri de tout ça. J'ai des ressources là-dedans qui devraient être dans l'autre create, mais c'est pas grave. L'intérêt, c'est surtout de vider l'inventaire. Et puis, bah, je trierai un petit peu mes coffres là parce que c'est un petit peu le bordel. Alors, j'ai un souci avec ça là. Ça y est, ça c'est cool enfin. Bon ok, allez, hop, je sais pas pourquoi, il a fallu que je replace tout, il y a dû y avoir un liquide bizarre qui s'est mis dedans, sans raison, il me reste un peu de Resonant Thunder, mais ça, je vais faire spawner 2-3 golems, ça va faire l'affaire. Voilà, super. Donc, ça c'est bon, si je demande justement Extra Utilities, si je fais une recherche, Tesseract. C'était dans Thermal Expansion. Alors ça avait été rajouté dans Thermal Expansion 2. Est-ce qu'on l'a Thermal Expansion? Le truc c'est quelle version de Thermal on a? Quelle version de Thermal on a? Thermal Expansion 5. Ah! Est-ce qu'il y a une note sur Thermal Expansion 5? Si je tape Tesseract Thermal Expansion 5. Qu'est-il arrivé au Tesseract en Thermal Expansion 5? Flux Network ou le Power Cube de RF Tool. Ok, donc ça a été remplacé par ça. J'ignore à quoi ça ressemble, j'ignore à quoi. Voilà. Donc, Flux Network. On va simplement taper Network. Alors là, c'est du RF Tool. Network. Donc, je trouve que du RF Tool. Donc, déjà, je trouve pas de Thermal Expansion. Attendez, ils ont dit Flux Network. Bon, et sinon, ils m'ont dit, ils parlent du Power Cube. Power Cube chez RF Tool, Power Relay, Power Cell, Power Distributor, Converter. Il y a la Power Cell. Donc ça, j'avais vu, mais je trouvais que c'était plus compliqué à faire que les Power Cell de Thermal Expansion.
c'est bizarre quoi, y a rien, y a forcément un truc dans Thermal Expansion quoi, enfin c'est bizarre qu'ils aient supprimé le Tesseract alors que c'était extrêmement utile. C'était même un petit peu central dans le mode quoi. C'est très bizarre que ça ait été supprimé. Donc ça doit être dans les machines forcément. Là, c'était un petit peu dans la même catégorie que toutes les selles, hein. Strongbox, flux capacitor. Attends, mais je trouve ça assez dingue quoi. Oh, c'est quoi ça? Pas de relais. D'accord, ok. Attendez, parce qu'il y a plein de trucs que j'avais pas vu. Des filters, hardened filters. D'accord, ok. Il y a des filtres ici. C'est assez ouf en fait. Allez, non, ça c'est du créatif, donc on s'en fiche. Si, la Strongbox, c'est quoi ça? Ah, c'est pour sécuriser les items quand on joue en multi. Ok, d'accord. Non, j'ai que des cells. J'ai que des power cells. J'en sais rien. Je n'en sais rien. Ça. Voilà, j'ai ce principal problème. C'est que je ne peux pas transmettre d'énergie d'un monde à un autre. Ce qui est emmerdant pour tout ce qui est. Bah, ne serait-ce que par exemple mon. Le builder. Non, c'est dingue. Ah, putain, Dieu! Ah, mais ça fait chier. Ça fait clairement chier. C'est chiant. Ça limite en fait. Le but c'était de. Justement de pouvoir dépasser des limites. Et là, c'est emmerdant. Bon. Écoutez, je me renseigne. On essaie de toute façon. La prochaine chose que je fais, c'est essayer de transmettre de l'énergie au builder et tout ça, quoi. Parce que là, c'est pas possible. Allez, à plus tard. Je pense avoir trouvé. Le problème, c'est que c'est de l'Underio. Et vous savez que je déteste l'Underio. Enfin, je sais pas que je déteste, c'est que c'est chiant, c'est long. Mais je vous propose de le faire ensemble. Alors, il faut beaucoup de choses. Mais ça s'appelle le Dimensional Transceiver. Donc, on va essayer d'en faire deux et de voir si ça fonctionne. Mais la description, c'est transport item, fluide et énergie sans fil à travers les n'importe quelle distance et à travers les dimensions. Donc, on va essayer ça. En espérant que ça marche. Ça a l'air d'être un enfer à créer. Bon, du fusée de quartz, j'en ai. On va se mettre sur la table de craft pour voir un petit peu ce qui nous manque. Hop. Alors, il nous faut deux. Déjà, voilà, on va vérifier, mais oui, voilà. On va commencer par les stilingotes, là. Comment ça? Ok, du steel et du silicone, visiblement. Est-ce qu'il y a une autre manière de le faire? Oui. Du metal steel. Non, il n'y a pas d'alloy wing. Donc, il n'y a pas d'alloy pour ça. Donc, apparemment, c'est dans l'induction smelter, il me faut du silicone. Silicone que je n'ai pour le moment pas encore. Je ne sais pas encore comment on en fait. Sinon, dans l'alloy. Oui, du silicone aussi. Coal et ingot. Ok, d'accord. Bon, donc dans l'alloy smelter, c'est faisable. La question, c'est le silicone. Comment ça se fait? On fait cuire du nether start. Ok, d'accord. Ok, en faisant juste cuire un petit peu de quartz, ou du crushed quartz, d'accord, ok. Ok. Bon, faut juste pulvériser du quartz et le faire cuire. C'est pas compliqué. Ok, d'accord. Bon, admettons. Donc ça, ok, dans l'induction smelter. Ok, super. Ça va pas être très compliqué. Donc ça, pas de souci. Ensuite, donc ça, on sait faire l'undercrystal. Ah, donc une nouvelle machine à créer. Il va nous falloir donc une Soulvie. Soulvie, d'accord, mais d'Underman, comment après je fais quoi? Right click on number to capture his soul. Of you because you can't be do what we want to do. Et le vibrante machin, faut du vibrante truc, et ça se fait. Ça se fait comment ça? Vibrante à l'œil. D'accord. Oh tiens! Comment on se retrouve? Molten énergétique à l'œil avec du Resonant Thunder. Ok. Et ça, déjà, c'est de la glowstone, du gold et de la redstone. Ok, d'accord. Bon. Donc déjà, il va falloir qu'on refasse du molten énergétique. Donc j'ai dit glowstone, gold et il me faudrait des proportions un peu chelou en plus. Donc ok, bon. Donc il y a ça. Sachant que de la glowstone, je ne dois pas en avoir des masses. Bon, on va mettre dans ces proportions-là pour le moment. Et on verra un petit peu ce qui en sort et on équilibrera après. Parce que là.
Hop. Est-ce que c'est coupé là? Oui, c'est coupé. Bon, on va bien voir. On va bien voir. Mais je vais refaire un petit peu de trucs à l'œil là. Et donc, ok. Donc, il y a ça. Ça c'est en cours. Du quartz pulvérisé. Je vais tout de suite en mettre. Je vais tout de suite mettre à pulvériser du quartz. Voilà. Ok. Donc, ça c'est bon. Ensuite, il va me falloir ça. Le Lander Resonator. Il me faut le Sense and Split. Et comment ça se fait ça? Oh mais non, 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 je veux pas. Oh. Mais non, c'est chiant là. Oh. Bon. De la soul machin là, j'en ai encore quoi en quantité là? Parce que j'ai plus que 25 lingots, hein. Ça en consomme mine de rien. Alors que je refasse. Il faut du silicone, du vibrant à la ingot. Oh, y a trop de trucs, c'est chiant de rayo, j'aime pas de rayo. Ah, c'est trop compliqué, y a trop d'étapes. Moi, bon, j'ai bien fait de ne pas jeter mes underheads en tout cas. Bon, ok, allez, ça. Vibrant alors. Oh, mais il en faut partout. Ah, de la glowstone, je suis désolé. Oui, mais de la glowstone normale, ça devrait aller. L'énergétique à l'œil, mais oui, mais toujours plus. Bon, ça, qu'est-ce qu'il me faut? Il m'en faut combien? Il m'en faut deux, quatre. Il m'en faut quatre. Ça veut dire qu'il me faut 8 graines d'affinité. Bon, bah, ça, je les ai. Et, ouais, des nuggets. Hop. On va en prendre un stack. Ce composant-là, on va réussir à le faire. C'est pas. 3, 4. Normalement, 4 devrait me suffire. Ensuite. Ça. Donc il faut ça. J'ai mes deux. Ça, il me faut. Alors, il me faut le vibrant, la glowstone. Bon, la glowstone, ça c'est pas un souci. Bon, il va juste me manquer les vibrants à l'œil. Et donc ça, c'est ce que je disais. Il faut. Il va falloir du Resonant Thunder. Bon, on va faire directement du. En fait, on va faire directement du vibrant là-dedans. Hein. Wow, il n'y a pas grand-chose. 7 blocs. Bah, j'ai réussi à créer 7 blocs quand même avec ce que je lui ai mis. Il n'y a pas eu l'air d'avoir eu trop de pertes. Donc j'ai juste balancé quelques enderpearls là-dedans et puis c'est bon. Je vais balancer un. Ouais, on va balancer. Bah, 7, ouais, j'ai essayé de balancer 7 blocs. Mon avis, ça doit coller. Ah, bon, ok, j'ai compris. Super, 7 blocs. 7 blocs de vibrant alloy. Allez. Hop, ça part en prod. Ouh. Tant pis, le lingot qui reste, c'est pas grave. Hein. Il ira à la poubelle. On va y arriver. Bon, donc ça, on va attendre que ça arrive. En attendant, parce que je sais que j'en aurai besoin un peu plus tard, on va se remettre à chauffer. Ah oui, non, il y a le silicium à faire. Non, c'est là. Ah bah, ça vient de finir à l'instant, c'est super. Ah, par contre, il m'en faut un petit peu, je crois. Donc, je vais en faire cuire que la moitié. Je vais en faire cuire que la moitié. Et je vais fermer le laser, là. Hop. Bon. Alors, j'avais besoin de quartz. Alors, il y avait ça. Donc, ça, le vibrant, il arrive. Il y avait ça. Ah oui, donc ça me demandait une machine en plus. Qui est infernal à faire. C'est quoi ça? Donc il me faut de l'énergétique à l'œil. Bon, silicium, énergétique à l'œil. On va quand même en refaire de l'énergétique à l'œil en vrai. Parce que là. Alors il me faut glowstone, redstone et gold. Est-ce que ça aura le temps de se faire avant que. Ouais, bon, ok, d'accord. Là c'est mon dernier. C'est le dernier en fait. Ouais, c'est le dernier. Allez, hop. 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 Et hop. Donc, mon vibrant, il est censé être arrivé. C'est ça? Non, ça c'est du pulsating iron. C'est ça? Vibrant alloy. Bon, il y a trois blocs qui sont arrivés déjà. Ça va m'aider, ça va m'aider. Bon, alors. C'est bon, j'ai déjà un premier composant. Ensuite, j'ai ces trucs-là. C'était. Silicium et steel. Est-ce que j'ai du steel? Je crois pas avoir de steel. Non, on pouvait le faire dans l'alloy smelter, ça je crois. On pouvait le faire dans l'alloy smelter.
C'est ça, il faut du pulvérisé de colle, de lingot et du silicone. C'est ça. Et il y avait le silicone. Ouais, le silicone, il devrait arriver d'ici peu. Je l'ai envoyé se faire cuire le silicone. Bah alors, le silicone. Comment ça, grid overloaded? C'est quoi ce bordel encore? Ça marchait très bien. Pourquoi ça marque ça d'un seul coup? Y a aucune raison. Bon, lui, il a décidé de faire grève. Allez, hop. Qu'est-ce que. Donc, il y avait quoi? Il y avait ça éventuellement pour pouvoir faire cuire. Non, c'est bon, t'es content pour ça? Bon, je sais pas ce que c'est bon. Ça devrait arriver par là, je pense, là-bas. C'est bon. Donc, on a du silicone qui arrive. Bon. Ok. Donc, ça, c'est bon. Il va falloir aussi que je le pulvérise du charbon. Hop, on va prendre un stack de charbon. On va le pulvériser. Voilà. On va aussi. Hop, les under. Hop, on va les ranger. Alors, ce bordel. Ah, puis bordel. Puis j'ai dit qu'il en fallait deux de ça. Parce que j'ai dit qu'on créait deux machines, évidemment. Parce qu'il va falloir deux machines pour. Parce que. Mais ça coûte super cher à créer. Ça coûte extrêmement cher à créer, en fait. Bon, on va se concentrer sur l'autre machine qu'il faut là. Le slice and machin là. Donc il me faut ça. Donc il me faut ces trucs là. Ces trucs là. Il me faut une gear comme ça. C'est quoi des iron nuggets? Oh, c'est pas grave, je les remettrai. Hop, hop. Non, c'est pas. Ah, il va me falloir une autre machine aussi. Donc ça, il me faut cette machine-là. Cette machine-là, cette machine-là. Ouais, bon, elle fait 3. Elle fait une de trop, c'est pas grave. Alors, ça. Ça. Non, j'ai rien dit. Il fallait que j'en fasse 4. On recommence. Ça, ça. Ça, il m'en faut 2. Non, il m'en faut... Et si, 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 c'est ça. Il m'en faut 2. Donc, cette machine-là. Il me manque une tête. Et il me manque la sous-machine. Qu'il faut dans l'induction smelter et il me faut ce truc là et ce truc là il me manque de la soul powder, ouais, sauf que j'ai déjà envoyé dans l'alloy smelter. Ça c'est avec du silicone, ouais, le silicone qui va arriver 32. Allez hop, oui, bah oui, c'est ça, c'est 32 que j'ai mis. On va pour le moment mettre que 16. Bon, voilà, je suis en train de faire mes ingots chelou là. Après voilà, ça ce sera. Bon, mes vibrantes en attendant, je vais les ranger. Ranger là. J'ai besoin de Nether Quartz Dust, je crois. Alors, donc pour cette machine-là, il va me falloir donc des ingots. Il va me falloir aussi une tête d'Enderman. Donc ça, voilà. Donc il me manque que cette caisse-là. Alors, et cette caisse-là, est-ce que j'ai. Je vais faire une simple machine casing là. Hop, qu'il va falloir que je mette dans l'induction smelter. Mais j'en avais pas de ça. Attendez, je vérifie juste. Saul Antoned. Oh! Oh! Il m'en faut combien? Il m'en faut combien? Il m'en faut qu'une. Ah, oh, j'ai ce qu'il faut. J'ai ce qu'il faut. Je savais bien que j'en avais fait un peu plus. Je savais bien que j'avais fait un surplus. Oh là là, l'enfer. Ça, silicone, vibrant, alloy. J'ai. Bah, j'ai tout en fait. J'ai quasiment tout ce qu'il me faut. Sinon, il va me manquer des trucs. Dans la machine en question, là, cette machine-là, il me faut une hache et une chire. Donc, on va rapidement se faire une hache et une chire. Donc, apparemment, du wooden, ça me suffit. Alors, pour la chire, déjà, c'est pas compliqué, hein. Hop, voilà. Et on va se faire une hache en bois. Ça ira très bien. Voilà. D'accord, des iron bars, j'en ai plus non plus. Bon, ça c'est pas très compliqué. Après, il y aura la soulevie à la faire. Okay, donc cette machine-là, dès que j'aurai la casing, je peux la faire. C'est bon, on va la mettre là. Ça n'a pas l'air d'avoir besoin d'énergie. Ça n'a pas l'air d'avoir besoin d'énergie. Donc, on va la mettre ailleurs. On va la mettre ailleurs. On va la mettre là. Il me faut le vibrant que j'ai pas sur moi et la tête que j'avais récupérée. Non, la tête, faut que j'aille la chercher. Tête. Hop, hop, hop. Non. J'allais trop loin. Ok. Une hache. Une chire. Capacitor missile. Faut que je refasse un capacitor. Ah. Attendez. Juste un instant. Ah. Jamais tranquille. Bon. Donc apparemment, il faut que je refasse un capacitor. Bon. Donc ça, voilà. C'est tout. Hein. On a vu comment faire. Hop. Hop. Voilà. Basique capacitor. Voilà, il faut juste que j'en recrée un de plus
pour cette machine. Et ce truc se fout de ma gueule. No power. Ah, il a gardé dedans? Ah ouais, il avait tout gardé dedans. J'ai pas eu besoin de tout remettre. Ah bah super, ok. Et donc si ça a besoin d'énergie, bon bah voilà, c'est tout. Bon, bah c'est super. Ah ok, oui, bah oui, donc ça, bah oui, non, oui, c'est ça. Ok, ensuite donc on a les fameux alloys. Donc le temps de l'appel que j'ai eu, voilà, j'ai mes 16. Donc j'ai de quoi les faire. Hop, et bah il me reste plus que le truc du milieu, et donc il va me falloir la souluviale et le vibrant de cristal. Donc le vibrant de cristal, et ben voilà. Hop. Alors, il va m'en falloir deux. Ah oui, j'ai pas pensé, il va m'en falloir deux. Ça veut dire aussi qu'il me faut deux. C'est-à-dire qu'il va me falloir aussi deux Ender machin là. T'es quoi qu'il me fallait pour faire ça? Du solarium, silicone, vibrante et une tête. Alors, deux solarium. Le silicone, je l'ai sur moi. La tête et le vibrante. D'accord, le capaciteur n'est pas consommé. Bon. On avance, on avance. Ensuite, il me faut. Petit à petit, ça progresse. Il me faut le Soulbinder. Oh. Oh. Oh, mais non! Oh, mais non! Oh, mais où est-ce que je vais choper ça? Oh, des têtes. Donc, il me faut des têtes de creeper, de creeper squelette. Ah, oh, ça va être chiant ça. Donc je peux pas le créer parce que ce truc-là, il me faut une tête de zombie, une tête de squelette, une tête de creeper. Bon, on va déjà faire la souluviale. Bon, la souluviale, je l'ai au moins. Ah, il m'en faut deux, je crois. Bah oui, il m'en faut deux si je veux faire deux machines. Il va me falloir, à mon avis, il va me falloir une souluviale par machine. Donc on va rapidement sur la deuxième souluviale. Allez, là d'habitude j'ai toujours au moins un Underman qui spawn de nulle part là. Bon, donc ça, ok. Et donc il va falloir que je parte à la chasse aux têtes. Après, je suis en train de me prendre la tête, mais je devrais au moins tester. Vous savez quoi? On va au moins tester. Alors, pour tester, on va juste se mettre Rapidos en créative. Tout ce que je vais me giver, hop, je le jetterai à la fin. C'est juste là, je vais. Hop. Donc. Oups. Ouais, bon. Ça, 64, c'est peut-être un peu trop. Hop. On va juste se giver 2-3 trucs. C'est juste pour tester. On va juste tester si ça fonctionne. Donc, on va poser. Alors, on va tester juste à différentes dimensions. Hein, simplement. D'accord, donc il faudra des capacitors. Donc des basiques capacitors. Là. Alors, question. Ah, d'accord, ok. Donc là, je suppose qu'on peut mettre. D'accord. Donc on dit qu'il peut envoyer de l'énergie. Qu'il n'envoie pas. Alors, ça doit être des fluides, ça doit être des items. C'est pas très intuitif, mais d'accord. Ok. Donc je vais mettre un capacitor. D'accord, donc il va nécessiter de l'énergie par contre. Ensuite, donc on va tout simplement mettre. Un générateur. Alors pour le moment, je vais juste mettre un générateur. Il n'y avait pas un créatif générateur. On va juste mettre un petit magmatique, peut-être pas. On va mettre un. Voilà, un petit furnace générateur, on s'en fiche. Hop, voilà. Là, on mettra du charbon dedans. Donc ça, voilà. Donc ça, c'est l'émission. Et ici, on va mettre en test qui va recevoir. Apparemment, il lui faut un petit peu d'énergie, mais on verra bien. Ensuite, donc il me faut donc celle. On va prendre une. Hop, voilà, des petites selles qui sont vides. Hop, on va mettre en réception à sa gauche, c'est ça. Et il me manque plus qu'un petit peu de charbon. Donc de colle ici. Mais pourquoi grid is overloaded? J'ai l'impression que c'est depuis que j'ai mis ça que ça pose problème. Parce que j'ai des soucis avec mes. Mais ouais, ça me fait ça sur toutes les machines. J'ai quasiment toutes mes machines qui me marquent Grid is overloaded. Mais là, c'est bon. Ça veut dire quoi, ça? Grid is overloaded. La grille est surchargée. Mais quelle grille? La. Quoi, j'ai trop de machines? Mais il y a trop fort rien. Je vais essayer de supprimer des machines qui. Ah, mais là, si je supprime ça. Ouais, bah, de toute façon, ça, je m'en sers plus pour le moment. Bon, je vais déjà me débarrasser de tout ce qui est. Et ça, je le casserai, hein, bien évidemment. Donc, ça, c'est. Hop, givé, 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 et givé. Voilà.
Et le charcoal aussi, hop, voilà. C'est la gélerine qui pose problème. Attendez, attendez, attendez. J'ai l'impression que c'est depuis que j'ai crafté l'Angel Ring, depuis que j'ai commencé à faire des GP, j'ai eu ce. Parce qu'avant, j'ai jamais eu ce message. Hein. Ouais, non, c'est ça. Bon, l'Angel Ring, ça pose plus de problèmes qu'autre chose. Voilà. Bah, je voulais le faire pour que ce soit légit, le fait que je vole, parce que le mode. Le mode morph est buggé. Enfin, du moins, n'a pas été entièrement réécrit correctement. Call. Donc, ok, donc là, j'envoie des RF. Ok. Maintenant, alors le truc, c'est que lui n'a pas de power. Donc, il faut un minimum de power. Mais en tout cas, ça fonctionne, visiblement. Donc, ça, ok. Et lui. Mais il lui faut un minimum d'énergie pour fonctionner. Donc, il lui faut une étincelle d'énergie pour commencer à fonctionner. J'ai bien fait de ne pas me mettre trop loin. Hop. Donc, tout ce qui a été givé, je le jette. Hein. Ça c'est vraiment mon test. Hein. C'est vraiment testé pour vérifier si c'est bien ça qu'il me faut. Ok. Zut. Qu'est-ce que je me suis givé? Hop. Donc là, je suis en resave. Mais ça ne semble pas fonctionner. Ça semble pas vouloir envoyer. Alors, ici, par contre, ce qu'on va faire, c'est on va. Ouais. Alors, hop. Alors, si j'inverse. Si lui, je le mets en réception. Enfin, je le mets dans receive. Et lui, je lui mets en send. Bon, le truc, c'est que là, maintenant, ça a l'air d'être lancé. Donc, je récupère un tuyau. Donc là, il perd de l'énergie. Ah, alors attendez. Ok. Donc, alors là, je vous avouerai, je suis un peu. Alors le pull push, non. Par contre, on va dire. Alors le truc, c'est est-ce que ça parle comme les Tesseract? C'est-à-dire, quand on dit send, c'est envoyé sur le réseau des Tesseract. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. La poule, apparemment. Non, c'est ça, c'est le resave qui sort. Donc, ok. Donc, ça, c'est ma réception. Et donc là, je suis censé recevoir. Donc ça, c'est censé être ma réception. Hein. Oui, c'est ça. Là, c'est ma réception, mais je reçois rien. Vous serez d'accord que ça, c'est l'icône de l'énergie. Ça doit être les fluides. Et ça doit être les items. Ouais. Et ça, c'est quoi ça? Est-ce qu'il leur faut suffisamment de puissance? Je vais chercher un. Mon énergie cell. Que j'ai dû ranger là-dedans. Ouais. Donc derrière. J'envoie. Ah, alors oui, alors attendez, ça marche parce que là c'est connecté, mais. Ok, donc il faut que ce soit la moitié de sa capacité pour pouvoir émettre et envoyer. Mais là, au tout cas, j'ai bien de l'énergie qui est émise de là-bas et amenée ici. Là, c'est bel et bien en train de se transférer. Donc là, j'ai mes 40 RF partic. Ok. Si, alors. Ouais, alors ici, on va arrêter. On va considérer qu'ici, je veux recevoir. Et on va inverser. Alors qu'ici, ça se vide, évidemment. Mais on va inverser les émissions. C'est-à-dire que là, on envoie et là, on reçoit. Et ça fonctionne. Ça fonctionne. C'est juste qu'il faut que ça atteigne une certaine capacité pour pouvoir émettre et envoyer. Mais là, c'est en train de se vider. Donc ça fonctionne. Ok. Bon, je récupère ce qui est à moi. Ça, c'est du cheaté. Ok. Et tout le reste. Bah, je vais juste prendre ma pioche pour. Ah, le lag. Le jeu qui plante. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, je sature pas mes RAM. Alors. Mais en fait, je suis bête. Je vais juste passer rapidement en créa. Et puis, tac. J'ai tout cassé. Ouais, alors ça. Non, ça, je l'ai crafté. C'est juste. Ça et ça, voilà. Hop. Et ça, je le supprime aussi. Voilà. Ok. Juste récupérer ça. Ok. Donc, c'est bien ça. C'est bien ce que je suis en train de créer qui est bon. Donc, il me faut juste des têtes. Il me faut juste des têtes de creeper, squelette, zombie. Oh. Bon. Va falloir que je passe à la chasse aux mobs pour ça. Et ben, c'est parti. Attendez, on s'est fait un petit arsenal d'armes là. Là, attendez, juste ça. Attendez, les trucs, c'est des ressources, on va. Allez, tant pis, je balance tout là-dedans. Si j'ai besoin d'un truc, je sais où c'est. Même le Crescent Hammer, on va le mettre dedans.
Et il me faut mes armes. Il me faut mes armes. Donc j'ai mon sabre laser et mon minigun. Ah oui, et puis vous avez vu qu'il est enchanté, il est un petit peu plus violacé, il est un peu plus beau le sabre laser. Mais bon, il fait toujours pas de bruit. C'est un petit peu dommage. Mais bon, allez, hop, j'y... On va se téléporter au portail. Bon bah c'est parti, easy, je vais aller chasser quelques mobs et puis on va bien voir... Ah, déjà j'ai entendu un zombie. Squelette. Alors, par contre... Quand je peux pas attaquer comme je veux, c'est chiant. J'ai mon clic qui déconne dans le jeu. Et c'est que dans le jeu, hein. Je sais pas pourquoi. Et quand je clique, il... Peut-être que le clic, il est fixé sur un autre bind. Bref, allez, je coupe et on verra ce que j'arrive à, ce que j'arrive à, ce que j'arrive à choper. Bon, changement de stratégie. Parce que j'y arrive pas. J'y arrive pas, c'est chiant. Donc, ce que je vous propose, hop, c'est de. Attendez, hop, les gens, on va. Hop, tout ce qui est. Ce qu'on va faire, c'est on va récupérer quelques larmes de ghast, là. Hop. En fait, on va se faire des Saoul. Enfin, des. Ouais, ce qu'on appelait avant les Saoul. Ce sont les mobs. Là, ça, là, les safarinettes, là. Les mobs emprisonnement, machin. Hop, combien je peux en faire? 12. Alors, il me faut un pour les zombies, un pour les squelettes, un pour les creepers. Hop. Et puis c'est parti. On va juste aller les capturer et on va foutre ça dans les spawners et on va laisser tourner. Ça va être beaucoup plus simple. On va se mettre. On va aller au spawn. J'aurais dû plutôt viser le builder. Allez, alors. On va se diriger vers le builder, ce sera... Là, déjà, il y a un creeper. Creeper. Ensuite, squelette ou zombie. Enfin, zombie villageois, on va éviter. Là-bas, qu'est-ce que j'ai? Non, c'est des chevaux là-bas. Déjà un zombie. Ah, c'est un angry zombie. Ouais, non. Par contre, là, il y a le squelette. Ok. Bon. Ah, j'allais dire pourquoi il a pas réagi, j'en sais rien. Bon, il me reste un zombie, mais je voudrais un zombie normal. C'est quoi? C'est un angry ou c'est un nombre? Non, c'est un normal. Super. Salut mon poteau. Voilà. Super. Hop. J. On va les foutre dans les spawners et on va espérer que ça fonctionne. Tac, tac, tac. La base. Base. Alors, qu'est-ce qu'on peut supprimer comme mob dont j'ai plus besoin? Ah bah attendez, là j'ai un mob spawner de libre. On va mettre Creeper. Bon, on va mettre Skeleton. Et on va mettre Zombie. Je me souviens plus que j'avais ces trucs-là de libre. Par contre, ils sont mal. Unreston Signal. Unreston Signal. Unreston Signal.
Bon, on va voir si j'ai des têtes qui tombent. Bon, pour le moment, c'est pas significatif, hein. J'ai des flèches qui arrivent, résultat. Va s'éloigner pour. Un truc que j'ai pas vérifié. Alors, attendez, ça va me rapidement me saouler. Machinal Transceiver, donc c'est pour faire l'under machin, il me faut le soul binder. Question, ça y a pas. J'ai cliqué trop vite. Il y a moyen de le crafter, enfin il y a moyen de. Je suis en train de réfléchir s'il n'y avait pas moyen. Non, avec les abeilles seulement. Alors, pour les creepers, les abeilles seulement. On va vérifier avec les autres quand même, mais. Est-ce que le. Excusez-moi, hein, je. Hop, le skeleton. Non, pareil, c'est quoi ce truc-là? La Tricky Princess. Ok. Et la Zombie-Head. Avec la Pristine. Ah, et même pas, et encore. Ouais, c'est théorique, quoi. Oh les patates! Ouais, alors justement ça, on va éviter. Donc j'ai mis notre poubelle ici en amont, hein, parce que sinon, parfois ça, hop. Oh, bah, les petites épées aussi là, parce que parfois il y en a qui arrivent à passer. J'ai pas de stone d'épée en pierre qui sont passés. Bon. Bon, pour le moment, pas de tête. Non, pour le moment, à part des têtes dans. Ah, si, ça y est, ça y est, ça y est. Oh, j'ai la tête de creeper. Youhou! On y arrive. Tête de squelette. Il me manque plus que la tête de zombie et on est bon. Ah! Enfin. Il me manque plus que la tête de zombie. On va y arriver. On va y arriver. Je l'avais pas créé là. Ah si, c'est parce qu'elle est là, c'est ça. Elle est là. Elle est là avec ça. Les vibrants de cristal. Ça et ça. Ça. Allez, c'est bon. Ça, c'est tout ce qui est ressources que j'ai envoyé ici. Bah, pour le moment, ça, je vais l'envoyer aussi ici. Ah, c'est pas vrai. Décidément. Décidément. C'est la journée des appels. J'augmente juste un petit peu la quantité de drawers là parce que oh là. Ça commence à se remplir. Ah, j'ai perdu des sables dans l'opération. Tac, tac, tac. Ah, me dites pas qu'elles sont tombées dans le trou là. Non, c'est pas possible. Là. Elles sont là. Voilà. Bon, bah on attend la tête de zombie. C'est ça qui me manquait? Bon, bah voilà. C'est bon. On a tout. On a tout, on a tout. Alors, hop, il me faut cette machine-là. On avait presque tout. Alors, par contre, attendez, hop. Parce que j'ai les chutes de FPS, là, le temps de l'appel que j'ai eu. Et après, je vais trouver une solution pour automatiser ce craft. Parce que on va en avoir besoin de beaucoup de. Allez. Hop. non, j'en avais pas gardé. J'en avais pas quelques-unes de. Non, j'ai les trucs qui sont prévus pour le craft.
Faut que je refasse faut que je refasse des basiques. Bon. Hop. Non. Ça. Donc, hop, hop, les basiques. Ouais, de toute façon, il va falloir que aussi que j'en crafte pour les. Donc ça, ok, ça arrive. Alors, il me faut les souluvials. Et c'était quoi qu'il me fallait d'autre? Bah les vibrantes, c'est ça? Bah oui, les vibrantes. Je les ai foutues là-dedans, hein. Non, je les ai sur moi. Ah, vu que j'ai changé de monde, il considère que j'ai plus d'XP. Bon, donc ces trucs-là demandent de l'XP. Le bruit est chelou. Donc c'est ça, je récupère la souluviale. Ok. Et ça se stack. Ça, hein, c'est pas des. Ouais, c'est des souluviales, c'est pas des simples bouteilles. Ok. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Ok. Donc on va commencer par en mettre une ici. Hop. Qu'on va déconnecter. J'ai laissé mon Crescent Tamer ici. Ok. Ici, il faut qu'en dessous, j'accepte de recevoir de l'énergie. Ici, il faut que je mette une basique machin. C'est bon. Et donc lui. Alors, ça, je vais le supprimer. C'était juste mon test. D'ailleurs, je vais supprimer tous mes tests. Ce sera plus utile. Et donc là, bah, je vais appeler ça simplement énergie. Et pour le fun, je vais appeler ça comme ça. Et ça envoie de l'énergie. Non, 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 je me suis planté. Excusez-moi. C'est ici. Voilà. Et maintenant, le délire, ça serait d'aller au builder. Alors, pour le moment, en vrai, voilà, le. Ouais, même si ça consomme pas des masses. En vrai. En vrai là, j'enlève ça. Je mets lui là. Hop. Et je paramètre pour recevoir l'énergie. Oui, évidemment, il faut qu'il soit en powerhead. Il est passé où mon deuxième oula, attendez, à mon avis quand je fais un shift click, ça bug. Ah, c'est parce qu'il est arrivé là. Ok. Alors, e-builder. Bon. En vrai, lui, il faudrait que je l'upgrade. Faudrait que je l'upgrade. Donc, on va aller se faire une petite upgrade rapidement. On va juste faire un aller-retour, par contre, de petites ressources. Alors, pour ça, par contre, je vais utiliser. Hop. Voilà, histoire de tout trier. Alors. Un peu de charbon.
Pas de redstone. Il y a de la glowstone dans l'overworld. C'est bizarre. Je bourre, hein. Je bourre tout ce que je peux. Ah, ici, je galère un petit peu niveau ressources. Faudrait que j'amène les ressources après. Après, bah, vu que j'ai un équivalent de Tesseract, faudrait que. Après, je renvoie les items par un Dimensional Transceiver et que je. Ah oui, puis je peux dissocier résultat. Parce que là, résultat, je peux donc recevoir l'énergie ici, lui dire, voilà, il y a les items ressources, par exemple, que j'envoie d'ici, et je mets un troisième Dimensional Transceiver au niveau de mes. De mes. En vrai, il y a moyen. En vrai, il y a carrément moyen. On va réfléchir à ça. On va réfléchir à ça, on va peut-être s'en faire un troisième qui servira justement à récupérer les ressources d'ici. Et puis après, il va falloir que juste que je gère 2-3 trucs en plus et puis c'est bon quoi. Hop. Base.